toute la muscle. Et donc, on peut faire mettre la position comme on veut. Alors, toujours, bien penser que les fesses sont en avant pour passer le bassin en avant des épaules. D'accord ? En avant des épaules. Les épaules, elles avec vous. En arrière ? Alors, vas-y. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu vois la différence que tu as fait avec les épaules ? Oui. Voilà. C'est cette différence-là. Il faut que tu saches que le centre de gravité du cheval, il est entre ses deux jambes, là, en arrière. Quand le cheval s'arrête, si tu résistes pas, tu fais ça. Mais s'il s'arrête du galop, tu fais ça, tu tombes. Donc il faut apprendre à anticiper ce que va faire le cheval pour résister et pas faire ça. D'accord ? Mais ça, c'est le métier qui va faire entrer les choses. Donc le centre de gravité du cheval, il est à peu près en dessous, entre les deux jambes. Ça. Et du moment où tu passes ton nez devant, avec le peu de métier que tu as, c'est une chance de tomber. Ou une chance que le cheval freine. D'accord ?